Kyle remet les plans à l'Alliance Rebelle. Peu de temps après, l'étoile noire est détruite. L'Alliance savoure cette nouvelle victoire. Et pourtant, la menace d'un nouveau complot se profile. Cette fois, le danger sera plus terrible encore. Je vous remercie, Lord Vador. Nous serons bientôt en mesure d'en finir avec ces rebelles, comme nous l'avons fait avec les chevaliers Jedi. Nous allons pouvoir offrir la victoire à l'Empereur. Cette guerre s'achèvera dans la gloire. Une noble cause, Général. J'espère que cette démonstration est à la hauteur de vos prétentions. Poursuivez. Volontiers. De nous harceler depuis la destruction de l'étoile noire. Il y a 5 jours de cela, l'Empire a pris d'assaut l'une de nos bases secrètes dans la cité de Talley. C'est la barre d'attaque. Quelqu'un m'entend-il? Répondez! L'Empire nous attaque! Ils sont partout! Personne ne nous a prévenus! Ils vont tout détruire! Nos cliniques n'ont pas résisté! La base de TAC a été détruite en seulement quelques minutes. De nombreux innocents des villes voisines ont péri, en plus de nos propres troupes. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte de représailles après la destruction de l'étoile noire. Intéressant. Cela ressemble à une attaque impériale tout à fait banale, à l'exception de tous ces bruits. Vous êtes perspicace, commandant. Je suppose que vous comprenez que notre entretien doit rester confidentiel. Grimadine. Un officier sous les ordres de l'Empereur a l'intention de passer dans le camp de l'Alliance. Il nous a fourni des informations sur la mise au point d'une nouvelle arme fabriquée par l'Empire. Les bruits que vous avez entendus proviendraient de cette arme, une sorte de nouveau Stormtrooper, le Darktrooper. Un nouveau Stormtrooper capable d'anéantir une base rebelle aussi vite? J'aurais dû rester dans le camp de l'Empire. Le commandant rebelle ne prend pas cela à la légère. Ils sont d'accord pour vous engager. À vous de découvrir si la menace est bien réelle. Si c'est le cas, vous devrez vous débrouiller pour déjouer leur plan. Si, bien entendu, vous êtes encore en notre camp. Ça m'a l'air intéressant. D'accord, je marche. Mais cette fois, je crois que je ne m'en sortirai pas tout seul. Je veux Yann Horse avec moi comme inspecteur. Certainement. Dans ce cas, je laisserai Yann vous expliquer les objectifs de votre mission dans le détail. Je vous remercie, commandant. Que la force soit avec vous.